Voilà. Coincé sur sa terrasse, attend les pompiers. Là, les pompiers sont sur la terrasse d'en face. J'espère qu'ils vont la sortir de là. On va te sauver, Shirley. Hello, on se retrouve aujourd'hui. Je vous prends un petit peu tard dans cette journée. On va essayer de donner quelques petites choses pour cette journée. Ouais, pleure ta sœur. Voilà, je vais clôturer le vlog ici pour aujourd'hui. Un peu particulier parce que ça fait 5 ans de mariage aujourd'hui. Et à la fin du mois, ça fera 10 ans de relation. Nous, ce qu'on fait, vu qu'on s'est mariés en avril et on s'est mis ensemble en avril, on fête pas l'année de mariage parce qu'en vrai, nous, depuis le premier jour qu'on s'est mis ensemble, on savait qu'on allait se marier et c'était sûr, c'était l'évidence. Du coup, en fait, notre année de. Enfin, la date de notre. Qu'on s'est mis ensemble. Donc en vrai, ça fait 10 ans le 28 avril. Donc à chaque fois, le 3 avril, bon, c'est sympa parce que c'est l'année, c'est le jour où on s'est marié. Mais c'est pas vraiment la date qui compte. Est-ce que vous faites pareil, vous, enfin, je sais pas, les gens qui se sont mariés, vous fêtez la fête de la date de mariage ou vous fêtez la date où vous êtes mis ensemble? Dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Voilà, moi je vous dis à demain, bisous. Tu fais la pâte à modeler? C'est qui t'a acheté la pâte à modeler? Maman. Non. Non. C'est qui t'a acheté la pâte à modeler? Ah, c'est mamie. Ouais. Mais c'est normal que j'arrive dans la chambre et je trouve ça. Il a enfermé sa sœur dans la box là. Mon Dieu, le bordel. Je ferme le vlog, c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à montrer. Mais bon, j'espère que les petits passages vous ont quand même plu. Voilà, donc je vous dis à demain et bye! Il est 5h du matin. Regardez ma tronche. Je suis en train de promener mon chien. Je peux pas croire que je fume avec cette tête, genre. Bref. Parce que mon fils s'est réveillé brûlant de fièvre. Oula, c'est très bizarre ce qui vient de se passer. Oula, très bizarre. Le truc électrique, il s'est ouvert. La porte électrique, là, elle s'est ouverte de nouveau. Il n'y a personne qui est sorti de l'immeuble. Voilà, j'ai très peur, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit de descendre Prince maintenant parce que. Comme ça, je vais pas le descendre à 6h du matin. Comme ça, je peux me rendormir et tout. Vu que là, j'étais réveillée. Mais en vrai, j'ai très peur, très peur. Je vais rentrer. T'es malade? Oui. T'as bobo? Oui. Oh. Tu m'aimes da? Oui, maman. D'amour. T'as des fleurs à maman? Non, ça. Tony, Tony. Ouais, ça y est, on est rentré de chez le docteur. Bon, au final, il a une petite laryngite, le petit mec, ça va. C'est pas si grave que vous dire quelque chose de très important que j'ai appris. L'hyperphagie. Je sais pas si vous connaissez. C'est d'une vidéo de Juju Fit Cat que j'ai vue et je connaissais pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu, bah, c'est moi à 2000%. Oh, je suis choquée. Donc, les filles, si vous avez par exemple. Si vous savez pas trop où se situer entre l'anorexie et la boulimie, allez voir la définition de l'hyperphagie. Et c'est choquant, choquant comment je suis choquée.
Bref, donc en tout cas, qui ont ça et qui ont réussi à s'en sortir, mettez-moi un petit commentaire s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien avoir des témoignages. C'est vrai que ça fait toujours du bien. Voilà. Je pense que je vais fermer le vlog ici, parce qu'il n'y a plus grand-chose à montrer pour ce soir. Les enfants n'ont pas longtemps, dans une petite demi-heure. J'ai fini qui touche. Et après, voilà, la douche, le dodo des enfants, etc. Je vous dis à demain. Bye. Booker Tov, la star. Que t'es belle. Elle est belle? Oui. Donc là, on est arrivé au canyon. J'ai rejoint une petite surprise, Orly. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de particulier. Bah, c'est juste en fait une dame qui s'occupe de petits enfants, de 0 à même 2 ans maximum. Mais en général, c'est des plus petits et en bas âge. Et ils font de tout. Ça va être trop sympa. Ouais, c'est juste là. C'est bon. J'ai classé. Voilà, c'est pour les parents qui gardent leurs enfants et on peut faire des petites sorties. Regardez. Attendez, je vais vous montrer. Hein. C'est trop sympa. Et Yann. Vas-y, fais comme la dame. Et Yannou, mets en haut. Il est passé où? Bah voilà, là c'est l'heure du Mahon. Il y a les enfants à la maison, il y a le cousin qui est venu. Et voilà, donc je suis posée dans le... Et oui, ils sont en train de jouer. Voilà, va. Coucou. J'ai oublié de fermer le vlog. Bon, c'est pas grave. Je me suis réveillée ce matin avec un... Je sais pas si vous voyez. Une cocotte, là. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, un truc dans l'œil, quoi. J'ai l'œil gonflé. Aujourd'hui, je vais aller voir ma sœur. On va pas tarder à bouger. Petite pause. Je m'excuse des propos choquants. Et Yael, quand tu pètes, ça sent le... La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade... On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas filmé, ça fait depuis jeudi. Je suis dégoûtée parce que je devais aller à la coupe de cheveux du fils de ma cousine. Au final, j'ai un rendez-vous important chez le dermato pour ma fille. Je vais vous montrer quelques petits trucs sympas de la journée. Attends, mais c'est le dentifrice, mais c'est quoi ça? Crado, regarde, il est bon celui-là. Le goût du chewing-gum. Il t'a offert le collier? Ouais. Trop beau le collier qu'il t'a fait ton frère. Escargot ici? Yes. Il est sorti de sa maison? Oh, ici, escargot. Escargot.